C'est par une célébration eucharistique tenue ce mercredi à la cathédrale Notre-Dame du Congo que les membres de famille, autorités politico-militaires, délégations venues de l'extérieur ainsi que les mélomanes ont rendu les derniers hommages à Papa Wemba, patron de l'orchestre Vive à la Musica. Ces cultes d'action de grâce célébrés par le cardinal Laurent Monsengo, assisté du président de la CENCO et autres prêtres catholiques, se justifient du fait que Papa Wemba était croyant catholique pratiquant dès son vivant et il a fait preuve des sacrifices pour sa foi et son Église. Placé sous l'inspiration du livre de Romains chapitre 14 verset 8 qui indique que nous vivons et mourons pour le Seigneur, dans son message, le cardinal Monsengo a loué le parcours terrestre de Papa Wemba. Cependant, que cette force, cette énergie et ces potentialités qui mettent en lumière le don de Dieu et les merveilles de sa grâce dans la vie de Papa Wemba soient sublimées dans une Eucharistie, c'est-à-dire une action de grâce au cours de laquelle tous et chacun nous offririons à Dieu la vie et l'œuvre de Papa Wemba, en même temps que nous prendrions tous l'engagement de faire en sorte que la grâce de Dieu et ses dons ne soient pas vains en chacun de nous. Si la mort peut unir et rassembler les cœurs, celle du roi de la Rumba en est une. Ainsi que vous le constatez, le peuple congolais tout entier pleure Papa Wemba, voyant en lui un grand artiste qui a su, avec justesse et finesse, unir toutes les générations, s'adresser à toutes les catégories sociales et élever les cœurs de ses concitoyens vers la vérité, vers le bien, vers le beau. Désormais, il ne parlera plus, il ne chantera plus, mais ses œuvres continueront à parler, indique le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta. La chanson Analingu n'est donc pas seulement un honneur fait à nos traditions, c'est aussi et surtout le cri d'un homme appelant le sien à l'esprit de solidarité, de dialogue pour une unité nationale librement consentie. Dans un avenir proche, il sera construit à Kinshasa un grand mausolée en l'honneur de Papa Wemba. Ça va? Ça va? Okay.